Desvrais tout. Bonjour. Bonjour. Merci d'être l'invité de l'interview du vendredi cette semaine. Alors, mon fin de genou, vous avez dit, nous faites camarade, moi, j'ai dit, j'appelle ça Maurice. Mon genou dans Future Talk, c'est oui. À Bagatelle. Alors, qui est ma première question, on peut dire la question bête, qui est Desvrais Katou? Bon, Desvrais Katou, et bon, et moi, j'habite à Montaïori. Et moi, j'ai 58 ans. Et ma spécialité c'est finance, comptabilité, outsourcing et advisory. Et moi j'ai un doctorat en finance et comptabilité, un PhD de forensic accounting. Et puisqu'il 35 ans, moi je travaille pour tous les stakeholders dans Maurice, sauf la banque et l'assurance. Et bien moi, textile, métallurgie, l'hôtellerie, restaurant, pâtisserie, boulangerie, supermarché. Et mon dernier job, c'était chez Eli Henson. Et vous allez dire comme si tu mon bébé, à mon commencé avec 7 à 8 employés. Et mon quitte la compagnie, c'était l'année dernière. Et mon ville a environ 250 employés, très succursale à travers l'île. Pour dire un peu, icon la compagnie, mon ferry boost up, mon ferry vini. Et mon a une belle contribution dans sa compagnie là. C'est un mot success story. Et deuxième, nous avons monté comment ça s'appelle? Eli Henson Memorial Garden. On a une belle contribution là-dedans. Moi-même qui me motive, je monte ça projet-là avec différents collègues. Et c'est un. Comment vous dire, Ali? Un des premiers uniques à Maurice, première fois dans l'histoire de l'île Maurice, il y a une 5-star cemetery. Oui, mon tour, mon connaît, il dit vraiment. C'était le sommet de ma carrière. C'était le sommet de ma carrière. Et voilà, grosso modo, c'est qui. Desvrais Katou. Alors, comment tu faisais un PhD? Un PhD, c'est forêt. On a un bel endroit dans CBS, c'est pas dans pour lui, dans le centre financier. Alors là, on a un normal. Non. I am a common person. Moi bien c'est dans simplicité, moi pas Che Guevara, mais moi là moi toujours être ban petit entrepreneur, si moi raconte un petit anecdote, un petit madame, il pas trop connu cause langage créole là même, il cause petit bout pourri, il fait son petit coucha, son petit zasso, mais aujourd'hui si vous guettez ça madame là, il dans ses 52 ans, il peut conduire ce joli loto, il peut faire son petit livraison dans le supermarché, dans la boutique, il est arrivé. Ou intéressé par une micro-entreprise à Maurice. Bien sûr. C'est ça qui m'a intéressé. Exactement. Pour moi, c'est motif, ça va un petit du monde là qui pour venir, ça va un gros entrepreneur dans 50 ans là. Ça. Dans 50 ans, madame, c'est pas pour son petit-fils, pour son petit-enfant. Parce que l'entreprise, si je prends l'exemple, je te dis, pas plus tard que la semaine dernière, je te dis, l'article, un chinois, je me disais, comment on appelle ça? Et il y a un qui fait une e-boutique dans le monde, c'est eBay. Si vous ne pas trompé, ni AliExpress, ça m'a pas. Exactement. AliExpress, mais ça oui. Bougla, il tient. Un petit simple employé, mais aujourd'hui, eBay, c'est grand. Si vous mettez ça, man shop là, Bougla, il trouvait qu'il, comment dire, bien innové. Il peut vivre dans le monde virtuel là. Parce qu'actuellement, c'est ça, nous vraies plateformes. On est dans le chiffre de particules de l'école, on est dans le first, second. On n'est pas beaucoup de grade dans l'école first, second, parce que nous sommes après le même âge. On est content de chiffre, man ballon, oui, tout le temps. Mais moi, je vous dis, une affaire, où est à l'époque, quand dans Forum 3, on finit Termine Favelle. Dans Forum 3, on finit passe moi LCC Higher, accounting. Et dans Forum 3, on finit passe tout le level côté accounting. À l'époque, pas de café à CCA. Nous sommes dans la campagne, nous disons. Donc, commence au bas de l'échelle. Right? Et mon tiers, erré dans l'île Favelle. Mon tiers, erré dans l'île Carter. Pas décimal point. Mais toujours, moi, tout le temps, la comptabilité, c'était inénorme, moi, ça. C'était inénorme. Tout le temps, moi, content, siff.
Donc, chiffre, c'est-à-dire balances, crédit, exactement, débit, tout ça, même les affaires. Hein. Exactement. Après, à quel moment vous décidez? C'est-à-dire, vous faites dire, moi, Fonda finit par ce niveau dans la comptabilité, ancienne comptabilité, c'est déjà passeport. Exactement, nous travaillons dans Gogo Livre, dans Gogo Livre, les dieux, CSD Book, Petit CSD Book, et analysis, quand nous faisons réconciliation pour la banque. Les là, en 93, les là, nous commençons. Contre l'ordinateur, bon, parce qu'on sait bien clavier ordinateur, mon petit code Tech Services, un code bien en micro. Bon, là-bas, tu as une petite madame, tu me montres moi comment vous avez rentré Excel, comment vous avez mettre formule. Mais là, mon pro, là, comment dire, il fait un déclic. Il fait un déclic. Là, moi, commence à travailler le tout mon accounting software qui est là. Tout accounting software qui est là, moi, maîtriser ce système ERP, whatever. Avant de dire, c'est. Comment on a une PhD, on a un diplôme PhD en forensique? Moi, dans le forensique, je pense à l'autre du monde. Non, non, c'était connu. Moi, tout le temps, moi, j'ai fait des bons comptes, c'est des bons amis. Je ne suis pas d'accord avec comment dire, falsifier compte, comment dire. Tiens, pas peut comprendre, je viens là pour montrer, de comprendre ce qu'il disait faire. Pas aider du monde dans les rires. Tout le temps, et donner un bon conseil, un good concept. Donc, là, ça veut dire, moi, c'est qui sa client, c'est une méthode de travail, ou bien c'est une affaire copier-coller. Non, copier-paste. Mon philosophie, c'est pas copier and paste, real, true and fair picture. Oui, parce que chaque entreprise est dans une particularité, exactement, sensibilité. Exactement. Et c'est une de nos qualités, pas de bon Richard. Donc, avec l'expertise, parce que un PhD, c'est un professeur, ou quand vous êtes si un jumeau peut commencer à trier, peut-être dans mon site après un temps. Bien sûr. Moi, si je prends un compte, comme vous dites, je finis qu'on est. Ina Modaï. Ina, exactement. Ina Modaï, vous avez trouvé ça? Bien sûr, un compte qui nous auditait, mais pas pour. Non, pas dire mon pain, pas pour mention ça deux fois surtout, deux fois. Quand mon audité, il écrit une note, référence avec IFRS, avec IS, qui m'a trouvé, il n'est pas confort avec ça. Et de manif erroné. L'état m'a lié ma note, c'est un mot promo collé, il n'est pas match. L'état m'a appendix, n'est pas collé. Donc, c'est-à-dire qu'on a un bilan annuel, on appelle ça whatever. Annual report, financial annual report. Ou... C'est un plaisir pour vous, ça? Exactement. Pour moi, c'est un plaisir, ça. Nous qui journalistes, allez, moi, je vous pose une question personnelle. Nous qui journalistes, parfois, nous avons tout le monde, tout a été chiffre, nous ne pas connaître, nous pas connaître. Quelle bonne information importante qui une population bien gagnée, loin une compagnie. Quand ils mettent une balance sheet dans un journal qui est tellement petit caractère, bien parfois je mets 0,0 là-haut, virgule, plein de précoces, millions. Qui met l'information la plus importante qui, à one glance, c'est-à-dire que vous connaissez quelle situation était dans la campagne? Bien sûr, quand vous mettez une balance sheet, première affaire, vous mettez accumulé de loss là. Vous finissez la campagne là, si pas Lily, healthy ou pas. Once you avez accumulé de loss, vous carried forward, vous connaissez la anguille sur os. Accumulé de loss, ça veut dire. Accumulé de loss, c'est-à-dire qu'on paye, il peut faire déficit, il peut venir. Il n'est pas possible. Il peut payer tout ce qu'il dépense avec un déficit. Donc, ça, c'est pas possible. Et si nous avons quelqu'un qui nous a fait un compte, nous avons quelqu'un. Liabilité, nous avons quelqu'un d'assets. Non, assets là, il est pour là. Assets là, il est toujours fixe. Avec. Avec ce dépréciation, patati patata. Mais c'est pas pour mes affaires, premières affaires, quand nous guettons un compte, nous guettons ce net avec ce accumulé de loss. Là, si vous trouvez, quand vous trouvez un carré de forward négatif, là, vous connaissez, dans l'anguille sur vos, vous avez besoin de dégâts. Vous avez besoin de dégâts d'information. Vous avez besoin de poser la question qui, que, comment, pourquoi. Comment on arrive à accumuler de loss. C'est ça le point noir d'une compagnie. Ça veut dire que vous guettez une question de dette. Qui cause une perte? Allez, nous pouvons poser. Qui cause une perte dans la compagnie? Qui cause une perte dans la compagnie? C'est là, si vous ne pouvez pas payer, premières affaires pour faire une compagnie fonctionner comme il faut, c'est vous besoin d'un budget. Un budget, c'est ça qui vient contrôler la compagnie. Sans un budget, pareil comme vous avez un cas à la fin du mois là. Ou la ratio, de l'eau, la lumière, téléphone, les sons, ou on a pour d'autres enfants, sur casque, pour d'autres filles. Ou on a un budget pour ça.
Et là, on dit, moi, passé, moi, pas dépense, non. Mais comment arrive ça? Mais avec l'inflation, mais tout ça, là, on a take into account. Ça qui est important. C'est ça qui est important. Une compagnie, pour être healthy, il faut travailler en fonction d'un budget. Il faut analyser les guides de surveillance en fonction de ça, les montagnes graphes, il fait un management committee, monter le département, ça, c'est le département, venez expliquer qui fait. Which is which? Comment il arrive ce massif-là? Vin expliquer avec son appendix, avec tout son récit dépense, tout à laurier, ça nous appelle un compagnie qui pour elle vit du bain. C'est ça qu'on appelle contrôle. Justement, d'une cause de la perte, après il a gagné le profit. La profit, il a tout été terme, mon performance a un gros profit, notre profit. Profit oh. Before EBITDA, profit non, after EBITDA, il y a toute qualité, toute profit. Nous nous payons un normal, il n'y a pas beaucoup de points. Non, il n'est pas nécessaire, il n'est pas nécessaire. Il n'y a pas besoin de comptable pour lire le compte. Il n'y a pas besoin de comptable. Si vous servez au logique, bon. Et dans les affaires qui appellent sales, tout le monde qui appelle sales, la vente, c'est casque, là ils ont rentré ça. Money in, cash in flow. Right? Maintenant, on a des affaires qui appellent cost of sales. Cost of sales veut dire tout bonne dépense qui ont couru, qui direct pour la production. C'est-à-dire, journaliste, il a seulement dépense correct. Il a ce transport, il a ce électricité, il a ce ban. On va connaître. Ouais, on ban code, courant, internet. Mais cela, on appelle ça ban direct cost. Ça même qu'on appelle cost of sales. Là, nous prenons ce turnover, nous retirons sa cost of sales. Ça, nous avons fait appel gross profit. Sa gross profit là, c'est-à-dire. Maintenant, il ne faut pas ban administrative expenses. Administrative expenses, il y a wages and salaries, il y a tout ban grand background qui est qui faut. Et là, nous gagnons net profit. Là, ça net profit là, c'est ça même qui profite, qui ont gagné net. Et ça net profit là, tout le temps, bien dit ça. Il dépend qui l'organisation là peut faire, qui travaille peut faire. Vous pouvez comprendre là. Mais c'est mal net profit là, il est toujours là. Il y a beaucoup de compagnies, il y a beaucoup de SMEs, quand il y a beaucoup net loss. Et qui fait parce que c'est une misguide, pour ne pas connaître pas qui est professionnel, c'est une misguide. Mais le problème, c'est qu'ils ont manqué ça coaching là. Moi, ça dit, moi, qui a guidé, comment dire, peine à sa politique de proximité là. Mais là, il y a un signeur, prends un bank statement pour 12 mois, mon compte finit finalisé. Mais pour guider, pour coacher dans un on est daily. C'est ça qui manquait, c'est ça qui manquait. C'est ça qui manquait à Maurice. C'est ça. Mais c'est ça même qui nous trouve 4500 SMEs fermés. C'est un mauvais suivi, c'est un mauvais. Un mauvais suivi, un mauvais coaching. Je n'ai pas personne qui guide. Je ne sais pas qui les autres. Et du monde, l'université, il n'y a pas de non-yé. Mais qui? Ah, tu nous viens de dire, allons investir, faire former une compagnie. Allez, il doit être un long lettre, il va en venir en ligne, pas faire un return, scouter l'année, il a une pénalité de 20 000 roupies que vous avez payé. Pour le temps, il est stressé, il pense à y aller, il n'y a pas de qu'il peut faire un mort, il va en dire, il est comptable. Il t'a dit, il est comptable, il prend un agent comptable là, pour le comptable là, prend en ligne, si pas 50, 60 000 roupies, il monte compte là, comment il gagne? Pas information qu'il ramassait à gauche, il prend les kin plug, les faciles plug ça. Mais c'est pas qu'on la réalité, n'est pas qu'on la réalité. Mais c'est ça qui nous problème à Maurice, sa proximité là, sa guideline qui bizarre d'un autre là. Justement, nous rentrer dans ma entreprise d'Evrakato. Je veux dire parfois où tu peux poser une madame qui fait Zassor qui est dans le pot. Ce talent, il conclut Zassor. Ce technical know-how. C'est ça qu'on appelle mon craftsmanship. Exactement. Mais après, il vient un businessman, c'est-à-dire. Il y a un moment qui n'est plus fait ça, il faisait l'eau, la route, il faisait faire bander. Il expand, il expand. Mais est-ce qu'il pense, ça va du monde là, moi, je peux dire, est-ce qu'il jetait là ça l'entraînement, ça, l'expertise pour venir une femme d'entreprise, un homme d'entreprise? Non, Zopena. C'est ça, et madame Faiza Mardel, qui crée ça, entrepreneur. Future talk là, qui est vraiment, 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 vraiment important. Il n'est pas cher, il est 3000 roupies, mais seulement où, du moment où un séminaire là, l'état où sorti, où vient quelqu'un. Pas vient quelqu'un, au jour ou demain, mais où on apprend quelque chose. Il y a une madame qui vraiment. Bon, mon gars, l'occasion, elle voit la bagatelle, mon récit écoute-lui, mais mon trouvé qui. Et là, sa social aide là-dedans, il n'est plus envie.
pas justifier le gouvernement pour un travail. Non. Tu m'as dit qu'il faut que tu sois propre pied. Comment nous peut dire mon pas come back to 50 years back. 50 years back. 50 years. Dans les années 60-70. Dans les 50-70. Mon prend sa village quand tu restes là. On commence depuis Eureka ou depuis Pongolville. Right? Tiens, du monde, tu peux rester. Tout ça, du monde, tu es entrepreneur. Qui fait que tout ça, du monde, tu es entrepreneur? Si elle n'est pas de raison, du monde, tu peux nourrir Capri, tu peux nourrir Vasse, tu es dans un petit poule, tu es dans tout. Et tu es autosuffisant. Tu es travaillé là pour être dans le canne, comment tu peux gagner? Bon, prends l'exemple de moi. Mon papa, bon, il est un petit fonctionnaire, mais il a six enfants. Six enfants, ils sont à l'école. Mais c'est moi à côté, mon maman, lui, il nous tue nous rivas, nous tient encore 3-4 vases. Mais c'est même qu'il fait mon éducation, je dis, mon arrive quand mon arrivé. C'est pour ça qu'il m'a dit, moi dire non, qui fait mon pas être un petit entrepreneur là. Pour moi, il pour ça fait plaisir. Là, c'est une petite moi des bracadous, c'est-à-dire que la société mauricienne a changé, c'est-à-dire qu'il y a une entrepreneur, une vie de salarié. Exactement. Après vos générations, c'est-à-dire. Exactement. Nous avons un bureau. Nous avons un bureau. Un bon la monnaie, un bon la paix, un petit loto. Après, nous moyens, nous faisons enfants. Exactement. Exactement. Ça qui est passé. Ça qui est passé. C'est ça qui nous swappe comme ça. Comment on explique ça, when forensic ou dans forensic? Mais vous connaissez, comment on explique ça? Ça change, moi, là. Divine dans mindset par an, là. Divine dans mindset par an, là. Nous pas qu'à faire autrement. Vous connaissez, nous sommes différents. Si nous avons l'évolution, Maurice, si nous prenons de l'histoire, nous monter, mon papa, c'est deuxième génération. Moi, mon troisième génération. Mon papa, c'est qui, bon, il gagne l'éducation, oui. Il gagne l'éducation. Sixième longtemps, il est passé. Bon, il vient un petit fonctionnaire. Mais il parle à ses enfants. Demain, elle travaille dans le canne. Que le banan pour dire comme ça. Hé, hey, tes enfants là bourrés. Ils viennent dans mindset. Ils viennent dans mindset. C'est là où vous trouvez majorité dans vos générations. Soit vous trouvez autres fonctionnaires, soit vous trouvez autres cadres, soit vous trouvez autres dans propre entreprise. Mais en fait, minorité, c'est une bonne chose. Ou peut-être oui. pas une bonne chose. Non, une bonne chose. Oui, existe dans vos générations, mais les générations après. Il n'est pas pareil. Quel changement arrive dans l'autre changement, c'est l'autre génération qui vient ça. Deuxième, la quatrième génération, là, c'est maintenant, bon, ils ne sont pas intéressés pour eux de gagner l'éducation, bon, ils ont un petit travail, ils ont pas, ils ont pas, là, ils ont gagné un petit lapin, ils ont trappé, c'est tout. Mais ça, entrepreneurship-là, peine à eux. Et sur les moi, la génération qui gagne tout, c'est-à-dire, je gagne l'éducation gratuite, je gagne l'école gratuite, je paye l'examen. Moi, pour dire, ouais, affaires. Gratuit. Moi, pour dire, ouais, affaires. Moi, pour dire, ouais, affaires. Moi, pas les politiser la situation. Si nous gagnons ça, l'éducation qu'ils ont hérité maintenant, là, c'est moi, je suis parmi ces pionniers, quand nous disons revendication, sans système d'éducation, c'était le 20 mai 1975. Bon, pour moi, l'exemple, je ne vais pas les citer, non. Mais il y a un camarade, il y a un camarade qui s'appelle défunt Alain, il y a un autre camarade qui tient l'ambassadeur, qui s'appelle Patrick, qui est l'ambassadeur actuellement, maintenant il n'est plus ambassadeur. Moi, il y a un camarade qui est en cours dans le Canada, qui paye GN là-bas, qui nous tue ensemble dans la grève étudiant là, nous tue de monde et un changement dans l'éducation. C'est un peu nous un héritage qui maintenant là, ça m'a une génération après là qui l'héritait. Ils ont dit, vous pouvez gagner l'université partout. Longtemps, il n'est pas facile de dire. Mais quand on regarde ça maintenant vraiment de là, est-ce que c'est que tu peux demander en 1975, est-ce qu'il y a une réalité, mais une réalité comment dire, qui après, l'indévié. Il n'est pas reflète. Ça qui est sa réalité, nous tu peux demander là. En fait, nous tu peux demander. Nous tu peux demander une éducation qui est équale. Équale pour tout du monde, tout cause, pour tout creed, tout colère dans ce pays là. Qu'ils ont tout demain, quand on peut monter, nos générations, quand on peut monter, nous peut gagner une vraie intellectuelle qui. Bon, nous pas besoin de fier, nous pas besoin d'un vin d'un fonctionnaire. Maurice, il y a un peu, comment dire, ban japonais, king to the job. C'est même qui tout le temps m'a dit un livre, bon, beaucoup m'a dit 40 ans de cela, m'a dit un livre, quand la Chine réveillera, le monde tremblera. C'est vrai. Je me dis, pour être la Chine. La Chine, comment m'a donné? C'est l'esprit d'entrepreneuriat là.
C'est ça qui manque à Maurice. C'est ça qui manque. Nous manque ça, sa motivation là. Nous besoin déterminer pour help the. Moi, moi là pour help the. At any cost. Comme je suis une cérémonie de remise de diplôme, nous pouvons dire diplômé, hein? Pas certificat, mais diplômé. Comme tout ban spécialiste de vidéo, ban chancelier sorti dans l'Angleterre, Singapour, mais il y a un jeune là qui, bon ben, faudrait pas penser à dire voici la case ou à Golden Job, créer ou l'entreprise. Là, mon cause avec ça ban jeune là, mais ça n'a pas passé, je dis bon écoutez, moi pas. Je me donne moi-même pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, je ne vais pas attendre encore dans 6 ans, 7 ans, mourir avec papa, maman, pourquoi encore, puis de moi, manger, puis de moi, petite fille, qui me montre une entreprise dans mon assemblée, parce que généralement, l'entreprise, elle monte dans l'assemblée. Comment expliquer qu'il n'y a pas autant découragé qu'il sent? Non, le problème dépend par là, ça. Dépend par an. Définitivement. Parce que. Mais par là, parler comment dire, bon, pour eux, c'est que le droit de travail, c'est sécurité. C'est un succès. Non, mais il ne faut pas nous dire ça. Vous connaissez, un humain, il y en a des complexes. Il y en a complexe de supériorité et complexe d'infériorité. Nous, Mauriciens, moi, j'ai ça l'impression là. Moi, j'ai fortement ça l'impression là. Et je pense, je connais qui me peut dire. Je n'ai pas un complexe de supériorité là. Faut pas nous dans sa complexe de supériorité là. Once, bon, fait un degré, bon, ça n'empêche que demain, mon cap est lave le tout. Demain, mon père, il me dit, mon chef, mon père, assis dans le bureau, mon secrétaire, mon comptable. Et moi, tu commences à me laver le tout. Mon père, commence à me laver le tout. Moi, j'ai 10. Corwash dans Maurice. Un corwash, il peut faire 250 roupies. Si peut laver, simoniser, il peut faire 1500 roupies. Si pas jour, 500, il peut faire 10 le tout. Comment il fait? Il fait beaucoup. Si nous mettions pas 365 jours, il fait un chiffre. C'est quand un gros chiffre. Un gros chiffre. Mais qui fait ça? C'est qui dans l'ADN, dans l'ADN de nos parents, c'est-à-dire que si jamais. Un enfant, il vient un diplômé, il vient rester dans sa domaine jusqu'à moi dire un jour, il gagne un petit manager. Petit manager, petit directeur, c'est lui qui vient créer ça. L'image, c'est la personne qui crée l'image. Si un monde déterminé, bon, toujours comment nous dire, l'école commence à la maison. Right? Parents-là, ils ont inculqué certaines affaires. Si moi, je vous dis, à l'exemple, on a des enfants, demain, je dis, papa, moi, je suis content. Je dis, moi, pas fausse. Je dis, papa, moi, je suis content, tout ça fait qui tous l'histoire. Je dis, mais tu es content, mais tu es un lecteur. Et je dis, oui. Mais il ne choisit pas être ça. Mais maman, tu es content demain, il trappe sa flambeau là. Mais non, Mais parfois, pour un parent, il dit ça, mon sacrifier moi, mon fait une sécurité, mon ça voudrait dans le rêve. Peut-être au départ même, vous pensez, ben, on peut créer l'entreprise, ce qui vous peut, assure l'avenir de vos enfants. Bien sûr, mais c'est moi qui vous dis, oh, il y a des enfants qui pas peinent ça dans le lit, il n'est pas pour capable de faire lui. Mais si et les enfants, ou trouvez depuis enfants, même les débrouillards, tout ça fait, les casser, les ronzer, les casser. Mais ça va être même qui pouvait être un grand entrepreneur demain. Si on a un petit enfant, on va dire. Si on prend un exemple, François Allez. Roux. Allez. C'est la boutique dans le petit village, c'est ça. Qu'est François Roux. Donc, ça veut dire que nous pas dans le même mindset des années 70. Non. Donc, quel mindset tu as? Un mindset trop compliqué. Facile, ça veut dire nous gagner tout facile, tout gagner. Exact. À la va-vite, comment nous demandons des affaires, nous pouvons gagner. Comment nous pouvons vivre dans les mondes virtuels là? Ou vivre par ici. Mon papa compte les mondes virtuels là, nous devons vivre avec sa traîne là. Mais les enfants vivent par ici, pas servir Bon, vous avez le temps objectif. Attendez un petit moment de temps, réponse. Il prend une portable, tac, il est là, c'est fait. Non, mais compliqué ça. Parfois, moi, tous mes jeunes enfants qui sont supposés sortir du collège, 75 plus 25, j'ai besoin de calculatrice. Alors, oui, moi, nous sommes la meilleure génération, mais nous finis quand on a volé les trappes sur calculatrice. Right, nous finis mes total. Qu'est-ce que nous gagnons? Nous gagnons ça. Quasiment, monsieur Dakakatou, je vous ai dit, nous avons un dos. Qui fait nous avons un dos là? Ça m'a dit, nous avons un pas nous gagnons ça dos. Parfois, moi, je trouve une question, 100 roupies, 80, il va nous faire 80 roupies, j'ai besoin de calculatrice pour tout. Pour retirer, pour gagner un massif là. Nous donnons la tête, voilà, attends, madame. Allez, là.
C'est ça le problème. C'est ça le problème. Actuellement, tout. Vous connaissez? L'informatique fait ça, la facilité ou bien jamais pas dans la vie, pas si tu n'as qu'à l'artiste. Vous connaissez, il y a des affaires, comment nous dire, longtemps, nous pas documenté. Nous êtes dans la librairie, nous êtes ouvert encyclopédie. Maintenant, non. Dans une tablette, Google, tapez, vous finissez une réponse. On a envie de tracer des affaires longtemps, ou servir dictionnaire Cassel, anglais, français. Right. Ça, on a translate. Ah, c'est, on finit translate, ou mettre là. Comment on appelle ça? Avec ce manière, tu vois. Vous pouvez dire que Google Translate, il y a une bonne outil, mais parfois, il y en a un. Non, il y en a beaucoup, il y a beaucoup. Moi, je les ai translate, moi, si vie. Les temps, je ça, moi, tu as bien. Plutôt, moi, tu écris en français, moi-même. Vous me comprenez là? Donc, je reviens un peu à sa man académique, si je veux dire à mes enfants là. Comment un jeune qui sort de l'université, il y a un diplômé, mais pas qu'on est en mécanique, comment il est capable de construire sur l'avenir moi, en montant une entreprise? Moi, ce qui me dit, right, ce qui m'a trouvé, nous avons une faille dans notre système d'éducation. Qui fait que nous avons une faille dans notre système d'éducation? Il est trop académique. Hein? Et dans nos affaires, je vais prendre un petit exemple. Comment longtemps tu as un sixième appel commerce? Moi, je fais le commerce. Oui. Commerce. Tu as un chapitre là-dedans appelé entrepreneur. Entrepreneurship. Comment un entrepreneur fonctionne? Right? Mais il y a un sixième qui appelle entrepreneur. Mes enfants font le dans l'école, collège. Oui, mais il n'est pas pareil. Il n'est pas dans le contexte local. Il y a un contexte trop académique. Il peut prendre un livre, il peut venir. Il est trop facile. Mais si, comment dire, on peut prendre dans le contexte local. Et dans le petit sandal pourri, si vous avez des vases aujourd'hui, des vases, il y a des choses de bagatelle, s'il vous plaît. Des vases, c'est un petit grand matin, un petit manche grand matin, puis exporte ce sandal pourri vers la région. Si vous allez dans Rosille, vous avez des vases. C'est toujours pareil. Hein? C'est toujours pareil. Vous avez des vases en 1970, quand vous êtes au collège à Rosille, et tu peux vendre ce petit sandal pourri, le sur bicyclette Amber, pour les voir, ce petit carré. Du bois là, il peut vendre. Dans le pourri, tu peux vendre beaucoup moins que 5 sous. Mais des fois, quand tu étais aujourd'hui, ce sont des enfants, ils ferment. Ils font 4, font 5. Ils disent, des enfants là, venez, des enfants là, ils rentrent là-dedans. Aujourd'hui, des fois, il y en a sur le bungalow, il y en a tout. C'est pas l'exemple typique qui me donne. Un des types d'exemples. Il y en a beaucoup. Si je prends un exemple, moi, c'est SFAB, un bon client. Quand tu peux travailler la banque commerciale, il trouve pas car toute la famille dans le métier. Je dis CS Fab, il y a un entrepreneur. Il suit mon guide. Right? Je dis CS Fab, bon pas dire il peut faire un gros chiffre d'affaires. Il a 5 à 6 employés avec lui. L'aéroport Rodrigue, il aime le faire. Beaucoup l'hôtel dans Maurice, il fait. Le cabinet making. Je dis CS Fab, he's the boss. Maurice, on a la question. Qui a un book qui sort de l'université, il y a un joli diplôme, il peut encadrer pour mettre dans son ensemble, dans le salon, pour créer son entreprise. Il est capable, il y a un jeune venu dans 2 ans, il passe pour moi. Pour moi, il est capable d'un degree holder, whatever it is. Whatever. Mais seulement, s'il y a une pensée pour faire l'entreprise, c'est pas lui. Il y a une pensée, bon, on va faire ça. Mais seulement, il y a besoin d'un coach et professionnel. Un coach et professionnel qui vous guide. Right? Pour lui montrer s'opposer. Right? Avant de lui montrer s'opposer, il y a besoin d'encadrer. Il y a besoin d'encadrer. Qui l'encadrement bien, selon vous? Bon, vous l'avez plus longtemps. Bon. Qui l'encadrement bien? Encadrement, moi, je vous dis franchement, si nous gagnons madame ou madame Burden, et madame Faiza, right? Ou gagne comme Nathalie même, Natacha, mon écoute et il y a un autre garçon qui sorti carrément dit, il y a ce garçon là, si il y a moi-même, avec un des professionnels encore qui me connaît, qui tout le temps, qui guide moi, et il y a un autre madame qui appelle madame Itier, une chaîne professionnelle, si il y a un professionnel comme ça pour guider, il y a ce coaching là, it is going to be a success story. Thank you.
dans les mondes de coaching, de radio, qui est là, bien. Parce que quand tu sais, dans l'ensemble, on vit, on a un diplôme, on vit une diplôme, on vit, on a appris tout ce qu'on apprend, on fait des vins business. Alors, qui est bien? Ma première affaire, moi, vous assisez. Right. Réfléchis. Bon, réfléchis bien. Parce qu'il y a une décision, ou pas prendre comme ça. Vite. Non. Vous avez réfléchi. Vous parlez d'un fait, créer une entreprise. Vous parlez, comment dire, demain, quand vous avez un travail, vous pouvez quitter. Vous pouvez aller, non. Quand vous pouvez calculer une entreprise, vous pouvez créer une entreprise. Bon, vous réfléchissez bien. Bon, premières affaires, vous faut vous accompagner. Vous finir ouvrir mon compte la banque. Bon. Quelle entreprise vous faire? Moi, je fais une consultancy service. Je réfléchis bien. Parce que l'expérience qui m'a acquis dans le passé, 35 ans. 35 ans d'expérience, je dis non, it's high time, I build my own company. Bon, je réfléchis. Il me prend moi 2 mois. Hein. Je réfléchis, je crée mon compagnie, je dis voilà, ça bizarre comme ça. Là, je commence à créer une plateforme pour moi-même. Je en chaque client qui me tient, je envoie un mail. Je sais tout ce que je envoie, je code moi. Et l'avantage qui m'a gagné, nous avons 20 la banque Maurice. Maintenant, je connais 22, nous avons 20 la banque Maurice. Je connais tout ça, mon head of corporate là. Right? Et je connais mon CIA. C'est pas un côtoyer, moi, des années et des années. C'est ça un peu mon assets. C'est ça qui, comment dire, moi, demain, si j'ai un pépin financier, je tape la porte à Intel, mon chien, je connais les poudres de moi, je suis capable de continuer à faire mon business. C'est ça qui me motive moi-même pour, à mon âge, pour vivre un entrepreneur, ce n'est pas aussi facile. Avec responsabilité familiale qui m'a, mais non, dans mon tête, tout le temps, tu as tout le temps, ça, tu fais un petit déclic. Tout le temps, je me dis non. Arrivé à un certain âge, ben là, il arrive l'air, moi, il arrive l'air. Parce que pour vous-même. I want to be my own boss. I want to be my own boss. Il y a un jeune qui a 22, 23 ans, il n'est pas un head of corporate dans la banque, il prend un client, il a dit ça. Non, mais bien, il a l'idée, mais c'est moi, comment vous dire, nous avons certains apôtres qui faisaient taper, quand nous pouvons tout ça, ben, renseignement là pour nous capables de continuer dans le projet qui nous parle mettre de l'avant. Et il y a un jeune qui est déterminé, mais quand il y a un jeune qui est ensemble, danseuse, il a envie d'ouvrir une boutique. Virtuel, mais c'est-à-dire ça de sur la tête. Mais les bons lignes viennent, Madame Faiza, tu as tout nous une causé, mais mon trouvé, it is going to be a success story. Qui fait? Mais seulement les business ça coûte plus là, comment nous dire? Les business, ça va, les bien faire, les prendre l'initiative. Hein? Moi, ça qui m'a apprécié avec lui, il est encore jeune, il prend l'initiative, il réussit. Get ce petit budget, payer ce petit 3000 roupies, il vient dans ce séminaire-là, et ce séminaire-là, il a apporté quelque chose. Mon cher, demain, s'il peut venir vers nous, on peut prendre l'exemple, il dit, moi, pour venir tout, je dis, anytime. Mais ça, pour moi, il dit, it makes me happy to help that type of person. Qui fait, moi, je dis ça? When the company will grow up, I will grow with the company. C'est ça mon objectif derrière. Je commence zéro. Quand je peux grandir, je peux grandir ensemble avec compagnie. Hein? C'est ça ma philosophie derrière. Je commence nowhere to go somewhere. Mais parfois, vous d'accord avec moi, parfois. We get lost. Non. Pas get lost. Pour moi, décourager. Oui, non. Pour monter un business, on a un voisin venu faire même business, on a 40 mètres après, on a même du monde, comment dire, ou décourager par un concurrent qui venait, comment dire, ni bâtir. On prend 3 ans, 4 ans, on souffrait pendant 4-5 ans après, c'est tout un florilège de même compagnie qui ouvre dans l'endroit. Non, on ne pas dire non. We are living in a world of competitiveness. Nous voulons nous parler, puis nous sommes là. On tient le monde pour dire, même ça fait. Combien de pays pour dire la caméra là? On tient le monde. Right? Nous pouvons faire ça produit là. Nous pouvons monter un produit, nous pouvons faire un sac là. Ok? Bon, mon voisin,
les chefs entrepreneurs veulent faire ça là. Mais c'est pas moi le mon objectif. I want quality. I want quality. Mon produit vend 500 roupies, l'ISO produit vend 499 roupies. Mon toujours garde 5 roupies là-bas. Mon dieu, 500, 500. Qui fait ces quality? Qui fait? Et dans les affaires qui appellent brand. Brand. I want to keep the brand. This competition. Compétition, compétition, tu vas plus me penser, whatever. Ça ne me rend ni chaud ni froid. Moi, je n'ai envie de garder mon brand. Je continue pour produire. Donc, bon. Là, ce que je veux dire, moi, il est vraiment important de rappeler le brand. Exactement. Est très important. C'est-à-dire, mon monte un projet, première affaire, je vais besoin quitter mon grid cash, mon grid brand. Les deux vont ensemble, ça. The brand and the. And the money? And, no. To start a business, we need a cash flow. We need a cash flow. But we need the money to start somewhere. Whatever we are going to do, we need the cash flow. Mais cash flow, il vient après, ça veut dire, mon maman, donne-moi, c'est pas. Enfin, pas mon maman, mon petit. Il doit son là, il a son diplôme, il peut refaire un business, tap tap la peau à droite, papa, maman, ton tonton. Il gagne 40, 50 000 roupies, il ne faut pas qu'à cause du cash flow là. Non, c'est finance. C'est une source de finance. Je parle de la banque, mais it's a source of finance. We need finance to start whatever type of small scale industry motions. Nous besoin ça finance là. Nous les nous parler ni important. Après qui le fait d'abord. Disons là, dans nos rendez tout bande d'affaires administratives, mais avec BRN, avec des sales tax. Non, ça lui, ça lui, ça lui. Oui, oui, mais toujours un jeune quand il peut venir, il besoin galop à ma, il besoin galop à droite, galop municipalité, il vous décourager pour une semaine parce qu'il n'est pas habitué parce qu'il est habitué dans son avis d'école. Il veut faire papier. Moi, mon budget d'affaires, right? Kakato Consulting is here to help. Je ne peux pas nous servir, ça me dit un jeune qui n'est pas connu, pas connu, pas connu. Les drop my mail, ça service là, il n'est pas pour costi non. Allez, tu vois, il finit gété, il finit gété, à Montagnori, après qu'il est bien fait. Right, je finis d'analyser, il finit gété moi, je encadre lui pour être professionnel qui est là, qui expertise dans certaines matières. Si demain il est bien, je ne connais pas moi. Puis on vit au manque un workshop pour métallurgie. Right, fait ça fait métal, collapsible d'or, rolling shutters, whatever. Right? Là, nous avons un book qui vraiment, qui a sa craft. Oui, mais Bouddha, c'est son concurrent aussi, vous d'accord. Whatever, nous n'avons ni Dieu, nous n'avons pas d'accord. Vous faut un consultant qui vous fait, qui vous vient au concurrent après. Mon non, whatever, pas, whatever, hein. Whatever. Il n'est pas un concurrent, whatever. Nous, nous là pour guider, pour boost up, pour grow up the company. Vous trouvez un peu de manteau, vous avez ajouté un manteau, le CV là. Vous savez, vous devinez un manteau. Là, c'est pas coaching ça. Ça, c'est mentoring ça. Enfin. Écoutez, pour moi, il y a un mentoring. Ouais, définitivement. Parce que tout simplement l'étape là, je connais. Tout simplement l'étape là, qui est la porte, qui est bizarre de taper, qui est pas bizarre de taper. Ouais, ça personnalise. Bon, les bizarres vous écoutent, les bizarres viennent un peu. Costaud. Exactement, les bizarres comment dire, self-confident aussi, les bizarres viennent autosuffisants aussi. Les pas grave, comment dire, mon fini fait tout pour lui, les pas connaît rien, mon donné n'importe quoi, il n'y a les bizarres connaît, les bizarres connaît tout. Là, il vient un vrai entrepreneur. Même les pays, il y en a sa minimum, strict minimum d'éducation là. Pour venir lire sa mentir anglais là, il comprend sa mentir là, c'est tout. Après, il peut venir, il peut follow doucement, doucement. Même il fait 6e, hein? Même il fait le CPE. Mais il comprend anglais, il comprend ce qui est français, il comprend CIF. Ça est massé. Ça même pour faire les vignes, il comprend tout en général. Qui bannerait ben pas besoin de faire un jeune entrepreneur, pas besoin de faire. Pour bannir un casse, dépenser. Non, c'est ça. Il faut les copains avec ces deux gels. Ça, il y a un problème. Beaucoup de compagnies dans ça. C'est-à-dire, moi j'ai un casque, moi belle voiture. Moi c'est une X6, s'il vous plaît. Moi pas envie de mort, moi j'ai une belle voiture. Ouais, pas de mal mort, là. Ouais. Bon, mon père vous le donne, vous pas connaître moi. Une belle voiture. Une belle voiture. Mais ça non. Vous avez transport, vous prenez le transport, pour venir, pas pour quitter le chemin, vous capable de déplacer. Parce que, it's a means. Au marketing, c'est means, c'est une nécessité. Je ne peux pas prendre mon produit, je ne peux pas rentrer dans le métro, je ne peux pas livrer ça pour lui. Je vais vous donner un petit transport.
Parce que pas comme il y a temps pour prendre métro les ailes pour passer ça 5 minutes. Au bout de tout, je mets mon produit, je vais aller, je vais en assez. Je vous explique mon produit. Je vous connais le produit. C'est ça qui est important. Là. Pour son entrepreneur, il vous connaît son produit bien à A à Z. Il vous connaît tout. Bon, il connaît son administratif, là, il n'a pas besoin de 100%, mais il vous connaît. Il est obligé de connaître. Quand vous dites l'administratif, c'est y compris tout, hein, sur la banque, sur l'assurance, whatever it is. C'est l'aspect technique, là, il vous maîtriser à 100%. Bon. Et ensuite? Ensuite, il y a ce côté marketing. Ouais. C'est ça le hic du business. C'est là? C'est là. C'est là qu'il est bien déterminé. Là. Si lui n'est pas confiance en marketing, là, c'est définitivement il peut collapse. Mais là, les business. Bon, les business contre son produit, premièrement. Maintenant, là, pour faire ce marketing-là, moi, mon business prend help de Faiza, Madame Faiza, c'est définitivement. C'est lui qui me booste moi un peu là. J'ai moi, M. Rakatou, ben, business comme ça. C'est lui me motive moi. Moi, je fonce à moi. Je ne vais pas dire que je vais faire un peu de mais. Beaucoup d'entreprises ont ce problème. L'effet marketing. Exactement. Il fait l'effet boomerang, ça. Beaucoup m'ont trouvé collapse. Moi, j'ai trouvé une compagnie, un turnover, beaucoup de millions. At the end of the day, back to square one, s'il vous plaît. Qui fait passer toujours dans sa craftsmanship là, c'est-à-dire, nous retourne toujours sa madame là, les cônes cuisent à sol, les cônes mettent dans le pot, les cônes mettent l'étiquette là, mais tu as les besoins. Quand les besoins, on va dire, le vendre, c'est là. Que... C'est là vient le problème. Mmh, c'est. Là, nous avons une plateforme. Là, sa plateforme, comment Mme Faiza dit, we need networking. C'est networking là pour help. Oui, bah, bon, quand on est dans networking, comment dire, on finit dans le inner circle. Nous connaissons dans tout business, c'est le inner circle, le vendre. Oui, on va dire papa, maman, tonton, tantine, ma tante. Non, mais maintenant, ça. Sa plateforme là, ça comment tu dis là et c'est un sa networking là, il n'est pas juste local, ça, l'international ça. Oui, avoir international, nous avons des publics. Oui, mais networking là, Brand là, c'est pas lui qui fait aller. Brand là, c'est définitivement. C'est le public qui fait aller. Ça définitivement. Comment tu dis là, nous pouvons dire brand di. Il y a un jean qui a un name, il y a un jacket qui a un name, il y a un produit 100% mauricien qui vendait à l'extérieur. Exactement. Mais au bout d'un moment, si nous avons écouté dans l'Angleterre, tout le monde dit ça. Et avant écouté pour moi, et avant ils ça pour moi, c'est un brand. Kucha Zasso qui fait Maurice in a brand. Oui, oui, là, il y a des. Moi, pas, on est 300 du monde, 400 du monde. C'est, whatever, c'est... whatever. Combien de millions de population dans le monde là? Ça qu'appelle. Et, tout ça qu'appelle manger, puis pour vendre des lits. Donc, apporte marketing, qui est le problème vous trouvez au. Une entreprise, nous causons chine, nous causons grand, nous causons micro, nous causons tout là. Bon, il y a un problème, il y a beaucoup. Vous connaissez, Maurice, c'est tout petit entreprise qui vit une family business, là il y a un problème. Non, mais trois corps compagnies dans Maurice. Mais quelques temps là, moi, je dis une grosse compagnie familiale. Je vais commencer à aider, je vais vivre une corporate, je vais rendre dans le good governance, mais. C'est ça. Entreprise familiale là, family enterprise, comment nous dire ça là, c'est ça les besoins d'une corporate. Là, il y a un problème là. Parce que moi, j'ai une belle expérience, je travaille avec beaucoup de family enterprise. Yes. Si je peux dire, contre 3, 10, capable 25 ans dans mon courrier, je travaille pour family enterprise, il n'est pas aussi facile pour gérer. Pas aussi facile pour gérer. Tu fais d'abord il y a papa, maman, tonton, exactement. Tante, madame, frère, belle-sœur, petit garçon, oui. Donc c'est il y a dans cette direction, exactement, les divers. Pena ça l'esprit d'équipe là. Family Enterprise, ça le problème. Et Family Enterprise, le problème c'est qu'ils ont tout spécialisé dans ces produits. Ils ont pas diversifié. Si tu diversifies, là capable. Comment dire, split sa famille enterprise, là, sans clan, pas clan, de façon de parler. On va mettre des chambres, des spécialistes dans ce produit-là, mais c'est ma
ils ont diversifié. Et là, mon gros family enterprise dans Maurice. Mais nous connaissons, oui. Ils ont number one in Mauritius. Mais c'est moi, ils ont diversifié. Je vais prendre l'exemple. Et là, l'exemple qui vraiment, je vous dis, j'étais dans la banque, j'étais dans l'agence loteur, j'étais dans l'agence distribution, j'étais dans la family enterprise. Il n'y a pas de problème comme ça dans ce monde successif. Mais c'est là, il y a des frères largués, tout casse-moi. Je ne vais pas dire non, je ne vais pas dire non. Mais seulement là, et un head, je gagne l'occasion de travailler pas long pour eux. Le number one in Mauritius, je gagne l'occasion de gagner un assignment. Je fais encore 3 ou 4 mois, je gagne un assignment pour eux. Je apprends beaucoup. Je apprends beaucoup avec eux. Et ils sont bien réservés. Je prépare un budget pour eux. Et je suis capable de faire un big force dans Maurice. Je t'inquiète moi. Mais moi, je le réfère à travers un autre collègue qui est un consultant. Je dis, tu connais, tu es là. Qu'est-ce que tu as à faire pour eux? Mais c'est une belle compagnie de distribution, c'est une number one. Mais une family enterprise. Je gagne une seule fois pour gagner l'occasion de saisir dans sa boule. Là. Ça aussi, c'est encore 5 minutes. C'est pour expliquer un petit affaire, pour comprendre, c'est tout. Mais je suis un professionnel. Disons, là, nous avons un conseil d'administration et. Bon, nous avons un peu sans cas, ça gêne là, il est venu sur le business, il grandit, il y a l'auto, il y a tout, ça peut monter, mais là nous avons un conseil d'administration. Vous pensez que c'est une bonne chose hein, pour faire un conseil d'administration? Définitivement. Est-ce que vous avez plus de professionnels parce que quand nous. Non, définitivement. Un de mes exemples, de papa, maman, frère, oui. Je peux gérer, je suis dans la gérance de tous les jours, je dans bon, c'est-à-dire du haut en bas, et parfois tout, je dans la tête aussi en bas. Non, c'est production, la production, côté production, je pour là tous les autres. Techniquement, je suis faux, mais l'administration, je connais un petit peu, mais c'est moi, je dans l'esprit un peu, je ne vais pas dire archaïque, je ne vais pas dire oldies, mais je n'ai pas gagné l'occasion. Mais qui fait me dire, tous les jours, je suis dans le travail, tous les jours. Le problème, c'est qu'il m'a bien. Faire production plus, je gagne casse plus. Le problème, c'est ça dans la tête. Mais pour mettre un système en place, pour être payé dans ça, dis même vendre 100 produits, je gagne, c'est pas 1 million. Le problème, produire beaucoup, gagne casse beaucoup. Pour être ça côté de l'administration, là, il n'est pas venu ça. Mais bizarre, un système d'administration qui gagne, que tu peux comprendre. Once every 3 months, il y a un système d'administration. Bon, get and management account, quand tu arrives, c'est business. Bon, c'est bien constructif aussi. C'est bien constructif. Ah, mais bon, je travaille plus sur tout le monde. Je gagne des trends, des sales. Je gagne des forecasts. Nous devons faire une projection pour les sales, pour les budget, pour les cash flow. Est-ce qu'ils ont acquéré ça, moi là? Est-ce qu'ils ont acquéré ça, si là ou pas? Qui fait mon acquéré ça? Bon, même pas moi. Machine est cassée. Bon, parce que c'est un cyclone, parce que nous, un pays tropical. Tropique. Nous n'avons pas aucun cyclone. C'est on a congé. On a 3 congés d'un mois. Et le long week-end. Nous, un pays multiracial, multiethnique. Nous sommes d'accord, nous sommes vivre avec. Parce que nous sommes condamnés pour vivre avec. Nous payons le soir. Est-ce que maintenant, vous avez connu le risk management? Non, risque là, vous avez connu le risque là. Il est important. Tout ce que je veux dire, c'est beaucoup plus un peu risque. Mais ça m'a fait affaires bizarres qu'on ça. Ben, un jeune qui a 25 ans, qui sort de l'université, il n'est pas comme ça. Non, il est mécanique, il connaît toute la formule mathématique, il connaît tout ce qu'il apprend. Risk management, c'est une nouveauté pour lui. Oui, pour lui, c'est nouveau. C'est qui? Bon. Moi, je pense que ça networking là pour help beaucoup. Mais bien, il y a un bon du monde. Il est encadré par un professionnel. Ce networking là, il est encadré par un professionnel. Moi, si on a des bandes professionnelles, là, je peux dire à 100% les fonctionnels. Ça, c'est sûr et certain. Donc, si je suis capable de réduire en quelques mois pour une entreprise, besoin d'une idée et un bon encadrement, finance. Exactement. Un bon. Est-ce qu'il y a besoin de ce domaine? C'est-à-dire, si mon si vie. Bien si, sûr, bien sûr. Mon domaine et mon industrie. Parce que parfois, on trouve que. Ben, du moins, dans mon domaine, je tenais le craftsmanship, on va dire le talent manuel, mais je n'ai pas connu l'industrie, je n'ai pas connu qui s'en a qui je compétiteur, je n'ai pas connu le prix, je mets le prix, comment je t'en veux, je dis, ils m'ont mis 105 000 roupies, moi, vendez pas, vendez. Et si, et dans le monde, là, nous, beaucoup, je dis, maman, moi, comment je souhaite
m'a pesté. Il m'a dit, vous ne pouvez pas comprendre rien, mais quand vous donnez l'encadrement, c'est des affaires que vous avez été, qui vous avez fait une faiblesse, qui vous avez fait une faute, qui vous avez fait une compétité, qui vous avez fait une moche, tout ça. Nous avons fait ça, vous connaissez, nous avons fait un survey là. Ça survey là est pourtant. Mais nous, il y a un jeune qui a 25 ans, il dit, j'ai pas les temps fait tout ça là. Oui, mais si. Non, mais il y en a qui déterminé. Bon, pas quand. Je parle comment dire, mais tu donnes le panier. Il y a un jeune qui est déterminé, qui a envie de faire quelque chose, qui est encadré. Je finis parfois, c'est demandement conseil. Nous avons besoin de nous faire un café, c'est pas une dité. Bon, là, qui peut changer. Bon, ok, je dis, mais j'ai envie de faire telles affaires. Bon, par exemple, moi, j'ai un jeune de 23 ans, j'ai envie de faire graphic designer. Il y a un artiste, il a envie de faire interior decoration. Il vient de moi, il y a 3 mois de cela. Ben, il finit dans une petite entreprise. Mais est-ce qu'au moment les jeunes nous les connaissent qui se bat en compétiteur, qui se bat en prix qui est dans le marché? Franchement, vous dites, ça bout là, il n'y a pas de faire. Ça bout, c'est moi, mon gars, il dit, tu connais, il dit, bon, tu connais. Si. Vous n'êtes pas étonné par le fait qu'il m'a dit, il n'y a pas de guetter, c'est que j'ai bon, je connais, je connais faire graphique, alors je lance moi. Lindin. Moi, je connais la rivière, il peut aller, parce qu'on écoute la rivière là, il était. Pas connaît. Côte tournant, et tout ça. Non, il n'y a pas connaît, il n'y a pas connaît. Mais mon gars, il dit, moi, j'ai dit, voilà, tu connais, il y a une grande entreprise qui fait ça. Rentre le Internet, tu n'as pas quitté. Checker, tu peux trouver. Lindin fait, mais c'est mal, son problème, c'est qu'il peut gagner beaucoup de travail. Là, il y a des mamzelles qui quittent l'école pour travailler avec lui. Donc, il y a le cinquième mois, puis il m'a tout libéré. Ça, c'est l'exception qui confirme la règle, ça. C'est un peu. Non, mais sinon, ça qui m'a apprécié avec lui, c'est mon petit boutique. Tout le temps, travaille dans la boutique. Donc, il y a un circle. Moi, il y a un circle, mais ça, c'est aimé. Moi, tout ça, il y a envie. Depuis son enfant, même, 5h du matin, tout le libéré. Il est encore dans c'est pas 4e, 5e, il peut être un mensonge du pain, venir 5h du matin, il prend, il peut livrer du pain, ben du monde, 5 vignes dans l'île, il aller où tout le monde peut faire un saut dans la boutique là, il peut innover même, malgré la grande surface, mais du monde là, tout le monde a qui se bat à ses côtés. Là, c'est un jeune Devrakato qui est de sa vidéo là, moi j'avais posé une question un peu discrète. Et donc, c'est que ils investissent pour ce matin, blue economy, mon patate, internet. Il y a beaucoup. Qu'est-ce que c'est que tu as de valeur là? Parce que moi, je suis en train de faire une valeur. Je suis en train de dire, si Jean-Claude, si tu as envie d'investir dans l'aquaculture, je ne peux pas prendre poisson. Je ne peux pas prendre poisson. Je vais vous dire, ça fait. Maurice, c'est un pays agriculteur. Nous voulons nous parler. Nous, on peut réclamer. Mais nous payons beaucoup PCR si vous voulez. C'est ça le problème. Nous payons beaucoup d'argent aussi. Nous PCR, quand nous disons PCR, il est mal vu. Ça m'a mal soutenu dans la société. Et PCR, ça. Ça ne faudrait pas. Il ne faudrait pas ça mal soutenu. Vous connaissez, ça quand le développement qui nous a fait au niveau de l'agriculture de Maurice, il est beaucoup. Un village qui a une autosuffisant, un village qui a une autosuffisant, mon point de village, moi. Pas là, quelque part dans moi. Pas là. Tout le monde tient à son légume, pas de bazar. Tout le monde tient à son potager. Assez obligé de la supermarché, c'est quoi ces légumes? Mais là, bazar. Obligé de bazar. Et si. Parfois, moi, pose-moi la question. Si dans le schéma agricole, il manque une affaire, c'est la transformation. C'est-à-dire, il y a un du monde, bon, ben, je plante pomme d'amour. Je t'arrête pour d'amour, d'en vente à l'encontre, et je t'arrête là. Je n'ai pas de pensée, moi, dire, capable de faire. Transformer. Quand nous trouvons, quand les pommes d'amour sont rompues, moi, si on parle avec maman, ou elle doit se permettre, mais je trouve un petit bois de pommes d'amour pour qui sont aussi dans le pays, Brésil, pour me trouver Brésil, bien, bien loin, mais à un prix qui défend toute concurrence. Exactement, exactement. Après, il y a sorti la sauce, il y a plus d'affaires, on est. Ouvert, vidé, pas vous penser à pesticides, c'est pas une fertilisation chimique. Il n'est pas bio. Mais Maurice, il y en a beaucoup de produits qui sont bio. Hein. Il y en a beaucoup. Vous voyez, je prends ça aux questions qui ont dit à moi, ça plantait avant ce pomme d'amour là. Mais peut-être qu'il y a l'esprit innovateur. Ça va le planter qu'il peut trouver là. C'est une génération qui a fini ça. Qui a fini ça, hein? Une génération qui peut le finir. Si nous prenons un exemple, un atelier, une génération qui peut le finir, c'est un atelier qui est trouvé à celle-là. Un man qui a 45 et 50 ans, 50 ans monté et puis a fini. Un artiste. Nous avons dit que c'est un artiste. C'est un vrai artiste.
À sa élection d'apôtre. À sa élection d'apôtre, fini, ok, il travaille avec peintiré, pac, fini. C'est une vraie artiste. Mais ça va planter là, c'est un esprit innovateur là. Ça va jeune là, si comment dire, il y a des enfants qui, même il y a un degree holder, il y a un degré, whatever subject it is, mais ils connaissent l'agriculture bien. Son problème, c'est qu'ils ont toujours ce mindset là. Ils n'ont pas l'essence ce mindset là. C'est-à-dire, son mindset là, c'est-à-dire, c'est une bonne banquette, un peu fine plastique. Mais là, comme d'amour, il fallait embellir les gens, après les 20 ans dans le supermarché, capable au départ, il est un peu difficile de comparer qui, mais, l'argent de vente à l'encombre, mais capable après, vous créez une chaîne de distribution. Exactement, vous plantez dans l'industrie, il n'y aurait pas qu'après vous faire livraison. Ou qu'à faire une société coopérative même, tout le monde planté pour d'amour, groupé. Right? Bon, nous voulons aide et du coup qui est capable de faire sa société coopérative là, monter et pas belle entreprise, une petite entreprise qui est capable de faire. Un bon conseil d'administration, exactement. Qui tout dans une right? Direction. Tout pour nous casser passeport là, pas dans l'encre, whatever. Passeport sa coopérative là, on peut gagner tout, faire la distribution là. Nous capable, il y a beaucoup d'affaires que nous sommes capables de mettre en place. Mais c'est pas. Tu vois, c'est le cost, c'est-à-dire, besoin de machines, besoin de faire bonne administration. Vous connaissez là, moi, je veux dire, que nous bloquer, et nous vendre ça. Vous connaissez sa lenteur de procédure, Boris, là. Sa lenteur de procédure, là, c'est ça. C'est ça les problèmes. Après, nous, c'est ça. Procédure et marketing, c'est-à-dire, dans l'autre aspect, c'est-à-dire, vous voyez que vous venez là, quand vous pouvez gagner dans la base, 17 ans, 3 ans après, vous pouvez consommer. Vous avez fait marketing, vous avez 6 heures directeurs, compagnie, supermarché, mini-marché. Non, mais définitivement. Mais tout ça là-bas. Nous retournons à moi-même. Qui est dans pour une entreprise qui fait mécanique, qui fait un cabinet. Non, n'importe quelle entreprise dans le monde, nous business marketing. Finance and marketing, c'est ça qui fait la compagnie boost up. Si pas la finance, c'est pas quand on fait marketing. Right? Le marketing fait finance, finance fait marketing, c'est un maillon ça. Une industrie c'est un maillon ça. Nous besoin start somewhere to go somewhere. Et dans ce moyen là, parfois arriver, c'est dernière partie, c'est l'interview là, des partenaires, c'est nous investir. Investment. Parfois nous disons bon, nous commençons, nous mettons une machine là, vieillit, il commence à casser, peut réparer, la production il peut arrêter. Non, la production baissée. La production baissée, pourquoi il y a arrêté des autres Spin-up, quand l'investissement bienvenue des fois quand dans l'entreprise, c'est-à-dire au départ, nous là, nous cassons, rangés, nous réussir, cash flow peut rentrer, business plan en place, nous peut commencer, nous peut sourire. Quand nous gagnons la fin du mois, quand la fin du mois, nous gagnons bank statement, dire ouais, situation bon, arrive à un certain moment, ben, bon, mais tu profites là, pour aller en voyage, pour faire croisière. Mais investir là-dedans, à un certain moment, oui. Il y a des affaires qui nous disent expansionist policy. Pourquoi l'entreprise pas trop applique ça à Maurice? Il existe une grosse entreprise qui applique ça à Maurice. Elle dit l'entreprise, nous arrive un net de whatever figures. Bon, son problème, et il me fait profit. Trois années, bon, le turnover faux, Paris top. Before tax temps, after tax temps, nous pouvons contribuer, c'est pas si elle sort 2%, whatever, l'autre. Mais nous encore en place, nous machines 10 ans là encore la M. Mais non, nous devons investir pour high tech. C'est ça qui est pour booster. Il peut faire deux fois, trois fois ça net là, il faut. Nous, quand même, monsieur, pas 10 ça net là. C'est mal, nous besoin high tech, tout le temps nous besoin innover. Tout le temps nous besoin innover. Nous commençons avec un employé, c'est-à-dire moi. Demain, on écoute. Maybe I am the big four, Kakatu Consulting. Kakatu Consulting is internationally recognized. Demain, on va avoir une franchise. Le tas du monde, hein. C'est une grosse décision. Hein. Bon, on est vraiment une franchise. Pareil comme nous du Kentucky, nous là pour l'ordinal. Ils ont dit que Kentucky est mondialement reconnu. Il rentre dans l'histoire. Son nom est dans le Guinness Record Book. C'est au rêve, ça. C'était son rêve. Donc, au rêve, ça pour. Il y a un rêve un peu, connaît le Sanders comme ça. Ouais, exactement. Domino sur l'auto, une bande de monde, ça veut dire qu'il peut refaire, ça veut dire qu'il peut refaire, peut-être un beau jour. Exactement. Un espèce bonheur parce que lui. Exactement.
Qui conseille vous donner une dernière question qui conseille vous donner un dimanche qui a envie de commencer un dimanche qui a nos business une manco du bal manteau je veux dire qui ça fait qui est bien moi mon dieu ta passion c'est content ça qu'ils peuvent faire si un dimanche il est content ça qu'il peut faire it is going to be a success story ça c'est sûr et certain et qui va bien faire garagoste moi gagne un petit la monnaie en plus tiens pour le tout exactement non faut des pas excès de gel non et strict minimum nous on a nos petits transports nous carrément qu'il est it's ok ensuite après 10 ans nous get sa success story là là où whatever machine ou envie moi envie moi envie faire touriste dans hélicoptère ok non problème on peut faire ou touriste dans hélicoptère mais aussi il y a des risques qui ne pas réussir hein. Nous trouver dans des histoires moi opportunisme moi believe on in success story. Mais parfois, ça, c'est story là, monsieur. Non, pour moi, tu n'as pas fait ban piquant. Non, whatever. Whatever it is. Moi, je crois, si un entrepreneur met sur la tête, là, les business sont objectifs avant. Pour moi, je ne crois pas de défaitiste. Je crois tout le temps, moins gagnant. C'est ça, mon qualité qui m'a là. Et c'est ça, même qualité qui m'a envie inculquer dans ma nouveau entrepreneur. Ou besoin de foncer. Que sinon. Non, si vous êtes foncier, pourquoi venir un entrepreneur hein? Decision maker. C'est. Non, c'est. Vous êtes decision maker. Si vous êtes decision maker, non. Un entrepreneur can't be a charitable institution. Je connais Maurice, tout le monde avec un tour gratuit, ça me connaît. Maybe nous, une société de hard bargainer, ben, nous faisons un prix à la Mauricienne. Nous avons une matière première à la Mauricienne. Mais nous restons déterminés, nous restons déterminés. Oui, nous pouvons gagner nos produits, oui, à la Mauricienne. Nous investissons à la Mauricienne. C'est ça qui est important. Et si moi aussi, ça investit. Oui, les poumons. Oui, les poumons. Dimanche. Et casser rongé, investissement. Oui, exactement. Casser rongé. Oui, Mauricienne est content comme ça. Nous savons que nos sociétés, comment nous vivons. Mais c'est facile quand vous êtes à l'étranger, quand je me suis posé par un big boss pour une ghetto pour une consultant. Je comprends un peu sa spécificité mauricienne. Bon, moi, j'ai un big project, un big project. C'est ça qui, comment dire. Mais finalement, nous faisons une conférence avec un professionnel anglais. Hein. Right. Mon camarade là, tu as une promoteur, tu as envie de mettre un projet à Maurice. Un projet à Maurice, un gros projet, beaucoup de millions à Maurice. Right. Tu as un point, plus tu as des professionnels avec moi encore qui nous t'y guettaient. Mais finalement, il est allé me causer. We can't put a rotating tower in Mauritius. Il n'est pas pour moi, c'est. Rotating tower, nous dans Dubaï. Rotating tower, peut-être nous dans l'Amérique ou l'Angleterre. Mais Maurice, dans le contexte mauricien, je n'ai pas trouvé de commencer. Je fais un petit market survey, je essaie de tester. Mais c'est quoi un rotating tower? Je me disais, expliquer, je rentre sur Internet, je rentre sur le website, je vais vous donner un link. Je me disais, c'est super, mais je me disais, oui, mais Maurice n'a pas pour hériter ça jamais. Ouais, parce que moi, tout ça tourne sur vous gagnez. Vous gagnez mais cette couleur, c'est tout. Je sais pas pour comprendre. Mais c'était un des moments plus gros projets qu'il y a. Wait and see, nous étions ici, nous capables faire aller dans l'Afrique. C'était pour moi, c'était mon plus gros projet de mon corps. J'ai envie de ça réaliser. Mais finalement, il est bloqué un petit peu. Moi, je suis déterminé comment foncer, quoi ça qu'ils ont pensé. C'est ça. Si demain, tout Mauricien, tout petite et moyenne entreprise pense comment on peut penser, mais Maurice, nos croissances, nous n'avons plus de 3.7, nous n'arrivons pas à 6. Si nous sommes Maurice, mais Maurice, nous avons fait Maurice vient d'un continent. Un continent devenu Maurice. Ouais, nous avons fait un continent. Maurice nous disait non, nous avons un continent. Débarrateur, merci beaucoup. De rien, bien content. You can teach me a lot. You can teach me how to take a step. You can show me how to tie my shoes. You can teach me how to read and write, how to win and how to lose. You can teach me how to cross my T's. You can show me how to dot my I's.
You can teach me how to sing and dance, when to laugh and when to cry. You can teach me how to solve for X. You can show me a shooting star. You can teach me how to hope and dream, how to ride a bike, then to drive a car. You can teach me how to achieve my goals. You can show me how to say goodbye. You can teach me how to grow and learn. But did you know I could learn to save a life?